week-end de la venue de Saint-Jean-de-Luz au Stade Bagnéret. Donc, l'association Culture pour le rugby mouvement a proposé aux éducateurs du Stade Bagnéret et au président Patrice Padroni de venir faire une petite intervention auprès de tous les éducateurs du club sur donc les fondements un peu de cette association qui, partout en France, représente des illustres fondateurs que sont René Delleplace et Pierre Villepreux du rugby mouvement. Et on essaye donc avec d'autres éducateurs de venir porter ce petit message du rugby mouvement, faire perdurer cette théorie, cette méthodologie du rugby. Et on va en faire profiter donc les éducateurs du Stade Bagnéret le week-end du 12 septembre. Alors, qui va participer? Je crois qu'il y a les jolis noms, hein? Alors voilà, pour cette occasion, c'est vrai que le président de l'Occitanie, de cette association, donc Christian Elleris, qui est déjà en Bagnéret, a souhaité que Albert Sigagna soit présent avec moi-même sur cet événement, puisque tous les deux on a été licenciés au Stade Bagnéret Rugby il y a bien longtemps, et puis on a tous les deux gardé des attaches très fortes à Bagnères et avec des amis encore au Stade Bagnéret. Bon, ce sera ouvert au public, on pourra assister. Alors oui, sans problème, ce sera ouvert au public. L'idée, c'est vraiment de rassembler tous les éducateurs du club qui souhaitent participer à ce petit moment on va dire, de partage de formation. Et c'est ouvert, bien évidemment, à tout le monde. C'est une séance qu'on va diriger avec les minimes du club, avec les moins de 14, les U14. Et voilà, et c'est une séance qui va en gros durer 2 heures de temps et qu'on va animer donc avec juste cette idée du rugby mouvement pour faire perdurer les fondements de l'association de Pierre Villepreux et de René Delleplace. Bon, vous assisterez au match Bagnères Saint-Jean-de-Luz en suivant? Voilà, bien sûr. En plus, Patrice Padroni, donc le président, nous a invités également à participer au repas des anciens de 81 le 12 septembre et bien sûr à assister au match Bagnères Saint-Jean-de-Luz. Ça sera voilà, un plaisir d'avoir cette journée complète de rugby à Bagnères qui démarrera bien la saison, j'espère. Quelle équipe vous allez supporter? Ah, non, mais là, Bagnères, bien évidemment. Je pense que ce soit Christian, Elleris, Albert Sigagnan ou moi-même. Bon, c'est vrai, on a des attaches tous assez fortes à Bagnères. Et quand on vient voir le stade Bagnéret, là, voilà, on a envie que ce club figure bien et que Bagnères nous offre surtout des belles prestations.